My American roommate was shocked by me. She asked where I had learned to speak English so well and was confused when I said that Nigeria happened to have English as its official language. She asked if she could listen to what she called my tribal music and was consequently very disappointed when I produced my tape of Mariah Carey. What struck me was this: she had felt sorry for me even before she saw me. Her default position toward me as an African was a kind of patronizing, well-meaning pity. My roommate had a single story of Africa. Tu parles l'africain? Mais vous vous ressemblez tous. L'Afrique est un beau pays, j'aime bien. Ah, tu viens de la Guinée? Mon beau-frère était en Afrique du Sud l'année dernière. Vous vivez dans quoi? Est-ce qu'il y a des maisons chez vous? Tous les clichés là ne sont pas étonnants parce que la première chose que j'ai trouvée quand j'ai tapé sur Google stéréotypes sur l'Afrique, ça a été bien sûr cette histoire de culture homogène, l'homogénéité de la culture africaine. Donc c'est pas de votre faute. Hi yao, Mama Bay, welcome back to my channel. Donc aujourd'hui je viens avec un sujet. J'ai décidé de commencer une petite bulle. Je me rends compte qu'il y a tellement de petits clichés sur les Africains ou sur l'Afrique. Et je pense que il serait temps de mettre fin à tout ça. Donc en vivant en Europe et en côtoyant des Européens, etc., je me suis rendu compte que il y avait cette idée un peu reçue, cette idée un peu commune qui circulerait. Les gens ont l'impression que les Africains, nous venons tous du même pays, nous sommes tous frères et sœurs, on parle tous la même langue, on se comprend tous, alors que non, l'Afrique est un continent comme l'Europe. Il y a 54 pays en Afrique, dont plus de 1000 ethnies et 2000 langues et dialectes parlés. Oui, et pour un petit fun fact, il y a plus de diversité culturelle en Afrique que partout ailleurs dans le monde. Donc, dire que les Africains se ressemblent tous, parlent tous les mêmes langues, mangent tous la même chose, s'habillent tous de la même manière, ou écoutent tous la même musique, ou dansent de la même manière, non. L'idée de cette vidéo m'est venue quand je lisais un texte de Chielozona Eze, elle s'appelle, je crois que c'est, elle est nigériane, et elle a écrit un texte où elle expliquait en fait pourquoi elle pense qu'il y a cette idée reçue du fait que l'Afrique serait un pays plus qu'un continent. Quand les colons sont venus, ils nous ont catégorisés comme un seul peuple ayant une seule culture homogène, culture identitaire, alors que ce n'est pas vrai. Et donc les intellectuels, tous qui sont les poètes, les chanteurs et j'en passe, ils ont utilisé en fait quelque chose qui était de base négatif, montrer en fait que ok, vous nous voyez comme un seul peuple, vous ne voyez pas notre diversité, ben nous allons utiliser ça pour vous montrer que nous sommes forts ensemble. Trouver cette idée, pardon, dans des paroles de chansons. Bob Marley dit « Africa unite because we are moving right of Babylon and we are going to our father's land ». Écrivain aussi comme Senghor et Achebe, ici c'est cette volonté en fait de se sentir comme un seul et même peuple. Un peu d'histoire rapide. Avant que les colons n'arrivent, il n'y avait que très peu d'empires en Afrique. Les plus connus étaient en Afrique de l'Ouest. Il y avait l'empire du Ghana, l'empire du Songhai, l'empire du Mandingue, connu aussi sous le nom de l'empire du Mali. Donc, ça c'était du côté de l'Afrique de l'Ouest. En haut, il y avait des royaumes au Maghreb aussi. Et il y avait aussi le royaume d'Éthiopie, si je ne me trompe pas, et les états du Bantou, ça c'était plutôt en Afrique centrale. Il y avait moins de diversité culturelle à l'époque. Lors de la conférence de Berlin, si je ne me trompe pas, en 1884 et 1885, ils ont séparé, ils se sont partagés comme un gâteau. Ils se sont partagés l'Afrique comme un gâteau. Ils ont pris, il y a même des pays qui ont été tracés à la règle. Donc c'est pour ça que, par exemple, arrêtez de nous poser des questions comme « Ah, comment ça se fait que tu parles aussi bien français ?» Eh bien, mon frère, parce que la France a colonisé mon pays et que le français est la langue officielle de mon pays que l'on apprend dans les écoles. Voilà. Ces territoires qui étaient avant des territoires communs se sont retrouvés séparés et distancés. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on retrouve des langues qui sont parlées et qui se ressemblent dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Par exemple, prenons le Malinké en Guinée, une langue similaire à celle-ci en Côte d'Ivoire et le Djoula. Il y a une langue similaire au Mali qui est le Bambara. Et aussi, en Gambie, il y a le Mandingo. Donc ces quatre langues sont très similaires parce qu'elles ont
une base commune, c'est des langues qui proviennent de l'empire du Mandingue. Donc, ils peuvent avoir des mots en commun, ils peuvent parfois se comprendre, mais c'est pas, ils peuvent pas vraiment, à part si la personne connaît la langue, ils peuvent pas vraiment se taper des discussions, c'est pas comme ça. Et ça, c'est vraiment des exceptions à la règle. Prenons par exemple le Cameroun, où 309 langues sont recensées. 309 langues dans un seul pays. Donc, les questions du genre, quand vous voyez par exemple un Congolais parler lingala et que vous me demandez, est-ce que tu le comprends? Non, je ne le comprends pas parce que, un, je ne suis pas congolaise et deux, je ne parle pas le lingala. Donc, des questions comme ça, c'est vraiment déplacé et ça fait comme si vous ne vous intéressez pas vraiment à la culture de l'autre. Prenons un exemple un peu plus concret pour vous. C'est comme si tout de suite, je vous disais, vous en tant que Français ou en tant qu'Allemand, est-ce que tu comprends un Suédois ou un Finlandais? Non. Et quand j'entends vos langues à l'oreille, elles ne se ressemblent pas du tout. Et c'est la même chose pour nous en Afrique. Peut-être que vous, inconsciemment, vous avez l'impression que quand on parle, on a les mêmes intonations ou on a les mêmes façons de s'exprimer, alors que pas du tout. Il y a cette histoire aussi de vous avez l'accent africain. Je le dis tout de suite, l'accent africain n'existe pas. Je ne sais pas d'où ça vient. Autant de langues parlées que d'accents. Il y a l'accent camerounais, il y a l'accent congolais, l'accent éthiopien, l'accent guinéen, l'accent malien, sénégalais, etc. L'Afrique est très riche culturellement parlant. Chaque pays ou chaque ethnie même dans les pays ont leurs coutumes liées au mariage, au baptême, au décès et à tout ça. Pas de modèle unique. Et la comparaison s'impose avec l'Afrique d'aujourd'hui où par la taille, par l'orientation, par le régime, les États sont évidemment différents. Deuxième constat, peut-être plus important, c'est la combinaison entre unité et diversité. On vit sur la base des mêmes normes, des mêmes règles, mais la diversité se voit partout, dans les religions, dans les coutumes, dans les mœurs, dans l'alimentation, etc. Il y a aussi la diversité au niveau des paysages, au niveau de comment les pays sont organisés. Oui, comme vous l'avez entendu tout de suite là, on a des similarités de fonctionnement au niveau de la société, de l'organisation de la société, mais on est aussi très différents les uns des autres. Donc c'est pour ça que quand plein de personnes pensent que l'Afrique est un grand terrain de safari où il y a des lions partout et des girafes partout et des hippopotames partout, non, ce n'est pas le cas. Moi, la première fois que j'ai vu une girafe dans ma vie, c'était pas du tout en Afrique, c'était en Europe dans un zoo. On remarque vraiment que c'est un cliché qui persiste et qui existe. Je vais vous afficher ça quelque part. Il y a eu une polémique avec la compagnie aérienne Delta qui avait félicité lors de la Coupe du Monde 2019 les États-Unis quand ils ont battu le Cameroun. Et pour mettre une photo des États-Unis, ils ont mis bien sûr la statue de la liberté. Et pour représenter le Cameroun, ils ont mis la photo d'une girafe. Et donc les gens ont répondu, il n'y a pas de girafe au Cameroun. Donc essayez quelque part de vous renseigner un minimum. Des étudiants de l'université d'Ithaca aux États-Unis qui ont fait en fait une campagne de lutte contre les stéréotypes sur leur pays et sur l'Afrique. Donc ça, c'est pour prouver que vraiment, on est même obligé de faire des campagnes de sensibilisation sur ça, tellement que les gens méconnaissent en fait notre culture. Dans ma vie universitaire, en fait, j'ai fait face à beaucoup de questions comme ça, où on va venir me demander à tête de quelle nationalité, je vais dire ma nationalité. Imaginons qu'il y a par exemple une autre noire, un autre noir dans ma classe, il va avoir une autre nationalité par exemple que moi, et on va confondre nos nationalités. On va venir par exemple me dire « Ah mais c'est toi la Camerounaise ?» Je vais dire « Bah non, c'est l'autre qui est Camerounais, moi je suis Guinéenne, tu vois. » Et elle dit « Ah, désolé, nanana. » Et genre, c'est un peu vexant parce que nous, on fait la différence entre la Suède et l'Allemagne, l'Autriche et la France. Donc prenez le temps vous aussi de vous intéresser à la culture de l'autre, prenez le temps de comprendre un minimum la culture de l'autre. Et surtout, franchement, la prochaine fois que vous nous posez des questions comme ça, faut pas vous étonner si on vous répond pas ou que vraiment on passe notre chemin. Parce que c'est le type de question, comment tu peux encore poser ça en 2020? On a vraiment beaucoup de styles de musique en Afrique que l'on écoute, beaucoup de styles de danse que l'on fait, que l'on pratique, etc. Par exemple, vous retrouvez le dombolon au Congo, vous retrouvez le makossa également au Congo. Vous avez la rumba congolaise, vous avez... Ah, j'ai beaucoup cité le Congo, hein, parce que c'est des grandes nations. Vous retrouvez le coupé-décalé en Côte d'Ivoire, la kizomba
en Angola et j'en passe. Il y a vraiment différents types de danse, le farinyari, namouifala en Guinée, le yankadi en Guinée, vous retrouvez le mbalar au Sénégal, vraiment la danse orientale bien sûr dans le Maghreb. On sait que c'est peut-être la manière dont on vous a fait comprendre que l'Afrique était, on vous a fait comprendre, on vous a fait refléter cette image. Et c'est sûrement la manière dont aussi les médias essayent de refléter parfois l'Afrique et n'essayent même pas en fait de casser cette image que l'on a d'un pays plutôt où il y a tout est homogène, alors qu'en fait non, c'est un continent. Donc je ferai comme je vous ai dit, ça va devenir une petite capsule en fait qui va être peut-être bimensuelle. Je vais juste prendre à chaque fois un cliché, je vais en faire une vidéo et on va essayer de casser ça ensemble. Donc merci de m'avoir écouté, portez-vous bien, j'espère que vous êtes safe chez vous et que cette maladie est loin de vous. Je vous fais plein de bisous, je vous dis Wenge Sege, à bientôt, bye. Phrases toutes faites et des phrases stéréotypes. Comment on dit stéréotypes? Comment on dit en français? Stéréotypes.